c'est devenu quasiment impossible aujourd'hui de réussir à recruter des BDR rapidement. Aujourd'hui, toutes les entreprises B2B recherchent des SDR, des BDR, tout simplement parce que l'innovation en B2B explose. Il y a une volonté de croissance beaucoup plus forte avec tout l'argent qu'il y a dans le système. Or, l'innovation ne se vend pas toute seule, donc il faut des gens pour la pousser sur le marché. Le marketing, son efficacité, elle a chuté parce que tout le monde en a fait énormément. Beaucoup de SEO, beaucoup de SIA, beaucoup de webinars, etc. Alors que toujours la même proportion des gens qui vont réagir à toutes ces actions-là. C'est devenu quasiment impossible aujourd'hui de réussir à recruter des SDR, des BDR, des bons rapidement. Là où avant, ça prenait 1, 2, 3 mois pour trouver quelqu'un de bon. Aujourd'hui, ça prend minimum 2, 3 mois. Parfois 4, 5, 6, jamais. Le turnover, il a explosé. C'est des postes sur lesquels les gens restaient quand même 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans, il y a encore quelques années. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 9, 12 mois. Et c'est des postes assez juniors qui nécessitent énormément de formation. Donc concrètement, les entreprises aujourd'hui, elles mettent bien plus de temps à trouver des commerciaux pour faire du SDR. Elles doivent toujours passer autant de temps à les former. 2, 3 mois de ramp-up pour finalement la personne reste 6 mois de plus, 9 mois de plus et elle part. Et donc en fait, c'est un saut percé parce que vous avez à peine le temps de payer le recrutement, payer la formation, à peine profiter que le commercial arrive à sa performance, vous en profitez quelques mois et il part. Donc c'est énormément de coûts de recrutement et de formation pour très peu de retours. Mais d'un autre côté, c'est le canal d'acquisition qui continue de marcher le plus quand on veut faire de la croissance forte. Donc les entreprises B2B, elles sont tenues un petit peu en tenaille aujourd'hui où elles ont absolument besoin de cette chose-là, de cette solution-là qui est le BDR, mais où en interne, c'est devenu bien trop long et coûteux. Et c'est justement pour ça qu'il y a des solutions aujourd'hui comme Succeed pour vous permettre non pas de trouver quelqu'un en 3 mois, mais en 3 jours. Et pas que le ramp-up dure 3 mois également, mais en 1 mois, vous êtes à la performance équivalente. Et quand il faut le remplacer, ça vous coûte 0 en recrutement, 0 en remplacement, 0 en formation. S'occupe de tout et au moins vous avez un pipe qui est stable, vous avez vos leads qui arrivent tous les mois, peu importe qui derrière est en train de prendre les meetings pour vous. Réfléchissez-y bien, bonne croissance à tous.